Salut à tous, c'est l'Arétiane, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur FIFA 16, toujours sur le même live de cette grande après-midi FIFA 16. Vidéo consacrée à FUT Draft. Donc là on va faire le FUT Draft tel qu'on le... non pas tel qu'on le connaît, puisqu'on l'a déjà vu sur la démo, mais le FUT Draft donc un peu final, voir ce que ça donne. Alors j'ai choisi de commencer sur un draft joueur solo. Donc on va démarrer tout de suite. Pour la vidéo donc sur FUT Classique, vous pouvez aller la voir sur YouTube, elle sera sur YouTube bien sûr. Et on parle de FUT Classique, à mon équipe FUT, ma première équipe FUT, etc. Voilà. Alors, que je vous montre. Bon écoutez, on va prendre le 4-5-1 offensif parce que je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Alors, au niveau des capitaines. Oh, pop, 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 pop. Une légende. Une légende en capitaine ou un joueur en forme. C'est ce qu'ils avaient dit, hein, qu'on pourrait avoir des joueurs in forme ou des légendes en capitaine. Hein. Et c'est violent, hein. Violent le capitaine là que je peux avoir. Je prends George Best. Hein. Je prends George Best, je ne l'ai jamais testé, donc je prends George Best. Là, c'est moi qui fais le choix. Bon, du coup, on va choisir ensemble. On va choisir ensemble, alors en sachant que les légendes, hein, si j'ai bien compris, on va d'ailleurs pouvoir le vérifier, elles peuvent être associées à n'importe qui. Ça c'est hyper facile. Moi je préférais avant, on était obligé de, quand j'avais Michael Owen, j'étais obligé de mettre une équipe anglaise autour. Ça me paraissait normal. Bon, c'est juste pour valoriser encore plus les légendes, etc. Mais moi je trouve que c'est trop facile de pouvoir les associer à n'importe qui. Alors après, c'est de dire, bah ouais, mais comme c'est des légendes, tout le monde les connaît, etc. George Best, qui est nord-irlandais, va lui trouver un coéquipier. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais voilà, on commence bien donc avec George Best dans cette FUT Draft. Alors, défenseur droit. Bon, du coup, je sais pas trop par qui démarrer. Est-ce qu'on va démarrer j'ai envie de mettre Zabaleta et peut-être démarrer sur une première ligue, qu'en pensez-vous? Allez, dites-moi. Dites-moi, on fait le choix ensemble. Dites-moi qui prendre. Zabaleta ou De Marcos. Allez-y. J'attends vos commentaires. Il y a plutôt une première ligue, ouais. Bacon ou Zabaleta, première ligue, toi De Marcos, Zabaleta, salut Avia au passage. Bon alors on serait plutôt partir sur Zabaleta, on va partir sur Zabaleta. Allez on part sur Zabaleta. Défenseur centre, alors est-ce qu'on va avoir, ah ouais. Alors Marquinhos, Shawcross, Alderweireld, plutôt Alderweireld, non? Pour avoir un défenseur de première ligue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Touma qui était plutôt Iraola. Alors non, tu ne refais pas ton équipe draft à chaque match. Non, non, ça c'est une équipe draft que tu vas avoir jusqu'au bout. Parce qu'il y a 4 matchs, tu dois gagner 4 matchs. Donc bien sûr, en gagner le plus possible. Et tu ne changes pas ton équipe. Alder, hein, on est plutôt parti sur Alderweireld. Marquinhos, malheureusement, j'aime bien, hein, mais là si on commence à faire une première ligue, ça va être chaud. Hein. Plutôt Alderweireld, hein. On est d'accord. Prends Alderweireld. Ensuite... Alors, bah écoutez, Jagielka? Jagielka plutôt que Shawcross, non? Un peu plus de vitesse? Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ton cœur dit Marquinhos, Matt, hein, je sais, mais... Jagielka très bon, oui, hein, ouais, je suis d'accord. Moi, je taperais plutôt sur Jagielka quand même là-dessus, hein. Bah Albiol, malheureusement ça va pas. Ouais. De Martin dit Shawcross. Ouais, mais Shawcross est un peu plus lent que Jagielka. Plus puissant, ouais. 84 de physique, c'est vrai. On tente Shawcross. Jagielka est très bon aussi, hein. Bon, je sais pas. Allez, on prend Shawcross. Voilà. Le gardien, bon, il nous faut un gardien de première ligue, c'est pas compliqué. Bah, ça sera Valdés. Ça sera Valdés, voilà. Pour avoir le lien. Alors à gauche.
à gauche. José Enrique, Moreno, Kolarov. Je tape sur Moreno, hein. Là je choisis moi-même parce que y avait, les choix étaient quand même plutôt à ce niveau-là. Alors là, il nous faudrait un milieu centre de Bundes. Bah, c'est bien, Fernandinho. Fernandinho, on est d'accord. Là je vois pas trop qui on peut prendre d'autre. Hein. Là franchement, parce que... Alors je sais que Junuzovic est pas mauvais, le joueur du Werder. Il est plutôt pas mauvais, mais je vois pas là le lien qu'il aurait. Donc Fernandinho direct. Hein. Fernandinho direct. Alors ensuite, donc là, en milieu offensif centre. Barclay. Alors à voir, vous choisissez entre Bojan. Enfin Bojan, d'ailleurs qui a 79. Et pourquoi il a 81 là, je sais pas, mais logiquement il a 79. Sigurdsson, qui a 67 de vitesse, ou Barclay. Moi j'ai envie de prendre Barclay. Hein. Parce que, bon, De Guzman, on oublie. On a trois choix en première ligue. Je pense que Barclay est pas mal. Ouais, les Islandais sont bons, je sais, ouais. Mais ouais, je pense que Ross. Hein. Je pense que Ross. Ross. Bon, ensuite, donc vous voyez, le lien orange hein, qui s'est tissé avec George Best, la légende. Automatiquement. Ensuite, en buteur. Bon, pardon. Ah, c'est tentant le petit Ibra. C'est tentant le petit Ibra. Bon, je vais prendre Ibra parce qu'il n'y a pas de joueur de première ligue. Mais on a intérêt d'en prendre un. Oh là 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 là, on a du lourd. Là, on a du très lourd. Alors, c'est soit Ozil, soit Silva. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, vous préférez Ozil qui a Maestro ou Silva qui a Moteur? Moi, j'ai tendance à prendre Silva. Entre les deux, dites-moi. Dites-moi qui vous préférez entre Ozil et Silva. Bah, James, ouais, mais James, il rentre pas dans la tactique, là. Silva, sans aucun doute, pour toi, t'es CLTK. Mertens pour Avia, ouais, mais on fait une BPL quand même plus, là. Argotom Silva également, Tiruan Silva, Martin Silva, Freeman, salut au passage. Bon, Silva. On prend Silva. Voilà, en plus on a un lien vert qui se crée. Et là, il nous faudra un milieu gauche de première ligue. Et nous avons Sterling. Ou Miralas. Ou Entep, Sterling. Allez, je prends. C'est automatique. Bon, du coup, ensuite, nos remplaçants. Voilà, continuer. L'entraîneur, un entraîneur de première ligue, s'il vous plaît. J'en ai Steve McLaren ou Sherwood. Je prends Sherwood. Et voilà, nous avons notre première draft sur ce FIFA 16. Ouais, Bernard Mendy me hante. Donc 86 en attaquant avec George Best qui est notre meilleur attaquant. 82 en milieu avec Silva. Et en défense, c'est 80. Alors, je prends une défense exceptionnelle. Centre collectif, 83 de notre équipe. 5 joueurs d'Espagne, 15 joueurs de première ligue. Hein, on avait dit qu'on ferait une BPL, donc on a fait une BPL. Et 5 joueurs de Manchester City. Au final, mon buteur, ça reste Ibra. Parce que j'ai pas mieux. Parce que j'ai pas mieux. Et du coup, j'ai envie de mettre Neymar devant. Qui va plus vite qu'Ibra. Et je vais voir si je garde tout sans toujours le centre collectif. 98. Ouais, attends. Alors, on laisse Ibra devant. On laisse Ibra devant. Bon. Pas mal cette petite équipe. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve qu'elle dépote pas mal. Hein. Elle dépote pas mal. Bon, ben on est parti. Alors, j'avais dit qu'on jouerait en légende. Je me suis mis en légende, hein. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Le choix se fait juste avant, mais je l'avais déjà fait hier. Donc là, je tombe... ils choisissent, hein. Je tombe contre un club de Ligue 2. Voilà, donc qui est Nancy. Hop, ils vont jouer en rouge. Vous voyez, paramètres du jeu, je pense qu'on va voir là, ici, que je suis en légende. Voilà, je suis en légende, 6 minutes. Donc c'est notre premier match avec cette équipe draft. Ah, tu persistes et signes, il manque un Islandais dans l'équipe. Ouais, je sais. Barclay et Sterling ou Best BU? Ouais. On aurait pu faire... Bah, on pourra le changer, écoutez.
On pourra le changer. Bon, je fais pas l'exercice. On pourra le changer sur le deuxième match. Allez, c'est parti avec, avec cette équipe draft qui est plutôt jolie hein, d'ailleurs. Donc à noter, hein, Payet Boost. On a George Best en défense, en milieu droit, pardon. Pas en défense, qu'est-ce que je raconte. Donc vraiment une très jolie équipe. Ça, c'est sympa de pouvoir tester les joueurs Boost. Comme ça, si vous avez envie de les tester, et ben c'est l'occasion. George Best, je pense que c'est la seule unique fois où je vais jouer avec. Je pense pas le recruter, je pense pas avoir les moyens. Et puis de toute manière, si j'avais les moyens, je prendrais Michael Owen. Donc voilà, tu me fais choisir entre Cristiano Ronaldo, entre Messi et Michael Owen, je prends Owen. Hein, donc de toute manière, voilà, ça vous le savez, hein, Liverpool Power. Ibra. George Best. Oh, pop, c'est Payet. Alors Payet, je prends pas déjà. Payet, c'est hors de question. T'as pas le droit de rater ça, mon dieu. Ah, le mode carrière, vous verrez après. Je ne dis rien pour le moment. Les votes, c'est plié, hein, a priori. Donc, mais je vous dis pas. Quand on commencera. Allez. Allez-y, poussez les avant du hack. Allez-y, poussez les avant. Ah, vrai. Ouais, bonne défense. Alors, les gens y jouent pas mal, hein, les gars, quand même. Hein. Genre, j'ai pas l'impression de jouer contre Nancy, quand même. Hein. Voilà. J'ai pas l'impression de jouer contre Nancy, hein, clairement. Hein. Je me prends un but par Youssouf Hadji. Vous pouvez vous marrer. Hein. Vous avez le droit de vous marrer. Ah, mais c'est chaud, quand même. C'est pas facile le mode légende cette année, clairement. Allez, on va essayer de se reprendre rapidement. Fernandinho qui passe à Ibra. Ibra, George Best. Allez, on va voir ce qu'il donne George Best. Oh, pop, dommage. Dommage, mais c'était pas mal. Le petit George Best là. Il nous avait fait une très jolie action là. Peut-être le mettre buteur George Best au final, vous avez raison. Payet. George Best. La légende. Ah non, je peux pas changer le dispo a priori. On va voir. Là si on se met comme ça, est-ce qu'on peut? Ah on peut pas hein. C'était une bonne question Roro ça, mais on peut pas changer le dispo. Quand il y a le dispo qui est fait, on peut pas. On peut pas le changer. Là, ça serait vraiment facile. Ça serait vraiment facile. Par contre, là, c'est vrai que dans ce dispositif. Ronaldinho, Ibra. Oui, tout de suite. Par contre, Ibra, là, devant le but, ça finit bien. Ça finit très bien. La frappe d'Ibra devant, nickel. Ouais, parfait. Parfait ce but d'Ibra. Allez, ça fait un partout. Un partout contre Nancy en même temps. Hein. On se réjouit d'égaliser contre Nancy. Hein. C'est pour vous donner le niveau de performance. Alors, mais franchement, en légende, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Toutes les équipes jouent bien. On va voir, hein, dans le mode carrière, je pense qu'on va galérer un petit peu au début. Mais c'est pas grave. J'aime le challenge. C'est ce qui compte. Les ailiers dans cette formation en fait ils sont vraiment très excentrés. Je pense que c'est pour ça que j'arrivais pas à forcément bien jouer. Bon on a quand même gagné 2 buts 1 avec cette équipe là lors de fut classique hein, avec notre équipe Bundesliga. Mais c'est vrai que je pense que je vais préférer le 4-3-3. Bon pas trop la possession, c'est un peu normal. Alors on va essayer de faire ce que je voudrais faire, c'est-à-dire de mettre Best comme ça, de mettre Silva ici, on vire Payet, on met Barclay et on met Pedro. Voilà. Bon là, je pouvais mettre un peu n'importe qui parce que ça change rien. Mais du coup, je vais essayer avec George Best devant. Sur ce fameux prix de draft, bien sûr qu'il y a une information. C'est 15 000 crédits. Ah, j'ai oublié de vous le dire. C'est 15 000 crédits ou 300 points. Voilà.
c'est 15 000 crédits ou 300 points ou un jeton que vous pouvez toucher dans les packs. C'est les trois possibilités. Le jeton que vous touchez dans un pack, qui vaut quand même 15 000 crédits, donc, ce qui est plutôt pas mal. 15 000 crédits ou 300 points. Voilà, et vous démarrez sur ce mode Futrock. J'aimerais bien quand même qu'on gagne un ou deux matchs, histoire de voir quel niveau de prix on peut avoir. Ça serait quand même sympathique. Allez, David Silva. David Silva, Pedro. Pedro, ouais, pour Barclay. T'es vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Oh, pou, 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 elle passe pas loin. Elle passe pas loin. Oh, la coupe de George Best, énorme. Coupe des 70s, quoi. Oh, très bon. Ils ont fait la mèche devant avec la frange et tout, c'est horrible, les cheveux longs là. Putain, tu lui mets les roues flaquettes, c'est parfait quoi. George Best. Ça me donne envie. Ça me donne envie de l'acheter. Mais bon, je pourrais pas. Bon attends, et s'il marque pas, c'est une catastrophe hein. Avec l'équipe que j'ai, je vais faire un partout contre Nancy, c'est déjà très mauvais. Hein. Oui, c'est bien Valdez. Bon, vraiment, le mode légende, c'est quand même particulièrement chaud. Quand je vous dis que c'est chaud, quand je vous dis que c'est chaud, c'est très très chaud. Oh, aïe aïe aïe, ils sont partout, Nancy, là. Non, mais ils vont garder le ballon longtemps, comme ça, là. Putain, le jeu joue bien le coup, quoi. Barclay. Charge Best. Allez, me fais pas de conneries, toi. Silva. Silva, il est mort. Il est mort, David Silva. Ah là 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 là, un partout à la mi-temps. Enfin, un partout... Hello Romanzini, it's the early access of FIFA. That's why I'm playing. Bon, du coup, je vais mettre Ramirez. Ou Neymar. Hein. C'est pas mal Neymar aussi. Hein. C'est pas mal Neymar. Mais je vais quand même mettre Ramirez. Parce que Silva, il est mort. Donc on va faire comme ça. Allez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. En tout cas, donc on est sur le... mode draft, you can get it but only on Xbox One. So that's why. J'ai aucune inspiration devant, j'ai l'impression. C'est terrible. Ah oui. Oh la vache. Ah oui, faute. Faute, faute, faute. Alors si je peux en faire un direct, je vais. Je la mets. Oh, pop, pop, pop. Oh là 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 là, ce qui sort. Est-ce que c'est le gardien ou la barre qui arrête? Si le compte comme c'est pas un tir cadré, je pense que c'est la barre. Oh, pleine barre, pleine équerre. Oh, dur. Dur, dur. Il défend bien là-dessus. Charge Best. Ah, la frappe. Penalty. Oh, on a du pot. Oh, pop, 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 on a du pot là-dessus. Parce que j'ai pas l'impression que... Ah si, ouais, ouais, il le tacle méchamment. Il le tacle méchamment, bien sûr. Bien joué, monsieur l'arbitre. Allez, George Best. Ouh, le gardien qui partait du bon côté, en plus. Le gardien qui partait du bon côté, mais George Best qui met... Ah, t'as entendu la barre? Ouais, moi, j'entends pas parce que j'ai pas mis le son hyper fort au niveau de la télé. Donc, si t'as entendu la barre, c'est qu'il y avait la barre, ouais. Et ben voilà. Petit 2-1, George Best, qui marque son péno, donc ça va. Le niveau légende est vraiment chaud, hein. Tu vois que contre Nancy, on n'arrive pas à gagner. Hier, j'ai perdu en légende contre le Melbourne Victory, quand même. Hein, donc, c'est dire. Hein. Bon,
se passe pas grand chose sur cette fin de match. Je mets en défensif. George Best pour la frappe. Voilà. Et ben voilà, 3 buts à 1, ça fait plus plaisir déjà. Voilà. Qui en youtubeur FR c'était Nervé Xenon, je crois, qui disait ça. Salut Mailring, comment vas-tu? Alors ça c'est du fut draft. Ça c'est du fut draft. C'est pas le fut classique. C'est du fut draft. Voilà. Ils ont fait une erreur au niveau des passes que j'ai pu exploiter. Une erreur. C'est la seule erreur de leur part au niveau des passes que j'ai pu exploiter directement avec cette passe de Barclay pour George Best. C'est tout. Ça fait 3-1. C'est normal qu'on gagne au vu de l'équipe qu'on a, je trouve. Hein. Mais difficile vraiment de poster le ballon. Puis on a dû passer par la prolongation quand même. Hein. Alors, face à Nancy, c'est pas exceptionnel. Mais bon, on gagne 3-1. C'est ce qui compte. Hein. C'est ce qui compte. Doublé de George Best. Ça, c'est la classe. C'est clair. Ça, c'est la classe. Doublé de George Best. Bon. Barclay, voilà. Passe décisive. Fernandinho, Barclay. Et puis c'est tout. Oui, parce que l'autre. Que c'est pour George Best, donc voilà, on prend des crédits. Ça, c'est il y a déjà ça. J'ai les bonus, hein, y est activé. Hein. J'ai tout désactivé avec mes crédits, donc je vais avoir plein de bonus. Donc, du coup, voilà comment ça marche. Vous avez première victoire, deux victoires, trois victoires, quatre victoires. Au bout de quatre victoires, donc en fait, donc quatre matchs. Au bout de quatre matchs, vous avez le gros pactole. Nous, on va voir, jusqu'où on va arriver. On va essayer de faire le maximum. Donc, là, au niveau des prix. Et ça, ouais, on peut pas regarder hein, ce qu'on a. Alors, oui, ça c'est notre équipe de base. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était peut-être mettre George Best devant. Faire comme ça. Mettre un Silva ici. Faire du vert avec Barclay là, par exemple. Ça change grand chose. Mettre Pedro. Ça fait 97 et pourtant j'ai du vert. Pourtant j'ai du vert. C'est un peu. Il a combien là, George Best? Ah, il a 3. Ah non, ouais, ça va pas. Ça va pas comme ça. Donc, c'est dommage, hein. C'est dommage. Bon bah du coup. Je vais plutôt mettre Silva quand même comme ça. Et puis on va remettre Payet. Hein. Et est-ce qu'on met plutôt Fernandinho Fernandinho moyen élevé. Non, il est quand même plus défensif. Ramirez, il fait quoi? Il est élevé. Bon, c'est bien si on peut le rentrer, Ramirez, c'est parfait. C'est bien comme ça. Non, bon bah écoutez, on laisse Ibra. Hein. Et Neymar. Ouais, donc faut laisser Ibra. Ah, qu'il y a que 4 en même temps, hein, donc bon, c'est pas. Bon, je vais plutôt mettre Neymar alors devant à la place d'Ibra. Je préfère. Attendez 2 secondes, je dois aller éteindre un truc hop, dans ma cuisine. Ne quittez pas. Écoutez, on va partir comme ça, qu'est-ce que vous en pensez là? Moreno en DG avec Pedro, Silva? Ouais, je sais pas. Après, George Best, ça pourrait, c'est vrai, attends. Moreno, DG avec Pedro, Silva. Donc tu mets Sterling plutôt. Attends, je vais essayer. Tac, il est où Pedro? Il est là. Lou Moreno, il est là. Ouais. Comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Je suis même pas obligé de mettre mettre Barclay. Du coup je vais mettre Payet là. C'est bien comme ça. T'en fais voir avec Clichy, je pouvais le laisser. Merde. Ouais, ça marche comme ça. Ça marche bien comme ça. Bon, on part comme ça. On part comme ça. Allez, c'est parti donc pour ce deuxième match de draft. Donc ça sera contre FSV Francfort, Bundesliga 2. Voyons,
On tombe à peu près contre le même type de club, hein. Je vais les faire jouer en bleu et noir. Ça va aller. Ça va aller comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. À la faut défendre. Ouais, d'accord. Performance, n'abandonnez pas. Ça m'énerve, j'aime pas défendre. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce deuxième match donc de Fut Draft. Est-ce que Fut Draft en ligne donnera plus de gros gains? Très sincèrement, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Pour ceux qui essayent, bah vous me direz, tiens. Non, c'est pas super dommage. Pour ceux qui essayent, vous me direz ce que vous avez en gain Fut Draft en ligne en arrivant, je sais pas moi, en gagnant un match, en perdant le deuxième, en gagnant deux matchs. Voilà, ça m'intéresse, tiens, de savoir ça. Je pense pas que les gains soient... Ah, quoi que si, ils sont un peu plus en compétition, c'est toujours un peu moins en solo, non? Alors c'est peut-être un peu plus important en ligne, c'est possible. C'est peut-être un peu plus important en ligne. Pourtant c'est le même prix aussi d'entrée, hein. Donc ça par contre c'est pas juste, parce que t'as le même prix d'entrée. Si t'avais un prix d'entrée plus faible en solo, pourquoi pas? Mais là, ton prix d'entrée c'est 15 000 crédits, 300 points FIFA ou un jeton, hein. Donc c'est exactement la même chose, hein. Donc, auquel cas, est-ce que c'est juste de dire on te met moins en récompense? Pas trop, hein. Pas trop. Possède pas le ballon, c'est horrible, hein. On est face à FSV Francfort quand même, hein. Pas Francfort, hein. Non, non, on est face au club de D2 de Francfort. Ouais, le gameplay ça change pas mal du 15 quand même, Inside. Ça change pas mal, surtout face à l'ordi. Déjà, alors, vous avez vu, hein, sur la première partie du live, ou sur la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube, sur la vidéo Fut en ligne, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage d'ailleurs à y aller. Vous verrez que les tout droits c'est fini, hein. Même avec Oba j'arrive pas à faire de tout droit, hein. Ça c'est terminé. En revanche, la construction, là en tout cas sur Fut, ensuite on passera sur le mode carrière, sur le mode donc classique de FIFA, je trouve que le pressing est vraiment effectué très tôt, ce qui fait que on doit construire vite. Et du coup au final on a tendance à bien balancer les ballons. En tout cas pour le gameplay, pour le moment je suis assez satisfait. C'est quand même plus lent globalement, hein. même Fut, hein. C'est quand même plus lent globalement que sur Fut 15. Ça se voit, hein, d'ailleurs. Ça se voit, les joueurs ont... On sent plus le joueur, c'est-à-dire c'est pas juste un amas de pixels qui bouge vite. Un peu comme dans le 15, j'exagère volontairement, hein. Là on sent vraiment que c'est un joueur, on sent vraiment qu'il y a des différences encore plus prononcées entre défenseur, milieu et attaquant. C'est vraiment très agréable, hein. J'aimerais marquer, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter de poster le ballon, mais pour faire un tacle. Super. Super. Non mais... gars, quoi. Frappe qui me met, tu veux que je fasse quoi? Le problème, c'est que c'est pas que je sais pas construire, c'est que j'ai pas le ballon. Et je peux pas le reprendre. C'est un truc de ouf. Fichi. Clichy David Silva. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur de prendre ça là. Oui. Oh, 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 un coup de cul. Un coup de cul, enfin. Oh, oh, oh. Oh celle-là, je sentais, hein. Il fallait tirer. Ça rebondit sur un défi. On a de la chance là-dessus. Là. On a de la chance sur ce but. Sterling, ça fait un partout. Ouf. Je pousse un ouf de soulagement. C'est posséder le ballon avant tout pour eux, quoi. C'est... Oh là 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 là. Payet. Qui accélère. George Best. Sterling. Allez, faut monter. Oh, là, un partout. Encore recours aux prolongations.
encore recours aux prolongations, bah dis donc. Pourtant on a fait plus de tirs qu'eux hein. Bon, on va mettre l'ami Ramirez. Je crois qu'on a fait nos trois changements là, non? Il nous en manque encore un. Mettre Barclay à la place de Silva. Eh ben c'est pas facile en légende hein, quand même, hein. Laissez-moi vous le dire. Je pense que... je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. Je pense que je le redirai. C'est clairement pas simple. Hein. Je continue. Payet, Alderweireld. Sterling. Neymar. Oh, vas-y! Corner. Voilà, enfin j'allais dire le centre, mais c'était sûr qu'il allait avoir corner. Payet au corner. Oh oui! Oh oh oh! Alderweireld! Aïe 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 aïe! Regardez celui-là! Boum! Allez, il reprend deux volets là. Alderweireld. Ah la balle, elle part. la trajectoire de la balle. Hop, il était un peu plus loin, Alderweireld. Elle rentrait pas, hein, elle est passée au-dessus. Hein. Et bah ça fait 2-1! Ça fait 2-1! Et on mérite hein, au niveau des tirs. Hein. Peut-être pas au niveau de la possession, mais on a plus d'action. Hein. Allez, attention, attention à pas s'en prendre un. Pas crier victoire. Ah bah genre il y a coup franc. Alors déjà je vois pas pourquoi. J'ai dû faire une main je pense. Il a dû y avoir main. En général c'est pour des conneries comme ça. Je dégage loin là. Ça sent la victoire, ça sent la victoire les gars ça. Le gars. Et ben voilà, on a bien musclé le jeu. On a bien musclé le jeu. Non, franchement, j'ai du pot. J'ai du pot au niveau des tirs. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai marqué des buts qui sont pas forcément très beaux. Après, ça permet la victoire. Au niveau des stats de tir, je suis à 10 tirs, 8 cadrés. Ils ont fait 5 tirs de cadrés. Ils ont juste pas la, ils ont juste la possession, quoi. Mais ça permet de gagner. Bon, bah voilà. Donc, on est à 2 victoires. On est à 2 victoires pour le moment dans cette fuite draft en légende. Bon, eh ben on va continuer. On va continuer toujours avec la même équipe. On change pas. On change pas une équipe qui gagne. Hop, on est parti. On va devoir contre qui on tombe. Ah ouais, c'est plus chaud. Ah ouais, déjà là. Ah genre là, comment il commence. En fait, tu fais deux équipes pourries et ensuite tu commences à faire une équipe de stars, quoi. D'accord. Ok. Bon ça fallait être au courant hein. C'est quoi la... Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Bon c'est pas grave. Allez, on est parti donc là face au Portugal. Face au Portugal, ça va pas être facile facile hein. Ça va pas être facile facile à mon avis hein. Bien joué David Silva, allez. Ouais, elle est jolie, elle est jolie. Pedro, 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 oui! Oh, c'est une belle action ça. C'est une belle action bien construite. Ça, ça me fait plaisir parce que on n'a pas beaucoup marqué des belles actions comme ça. Et là, de jolies passes qui permettent à Silva, je crois, de marquer. Hein. Voilà, ça c'était vraiment une belle action. Pedro qui part, hop, Silva qui monte. Voilà, et là on marque. Oh, par contre, le gardien est nul. Hein. C'est Rui Patricio là-dessus là. Oh, il est pas très bon. Hein. Il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout là-dessus. Bon, écoutez, ça fait un 0. Hein. Donc là, c'est pas bien joué ça, Coco. C'est pas bien joué du tout. Tu as Dani. C'était bien joué de sa part. Ouais, bien joué, Valdés. Allez, Pedro. On repart. Sterling. C'était pas super. Payet. Ouais, Payet. Payet toujours. Bon. Et ben 1-0 à la mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Par contre, le Portugal joue un peu plus vite. Et du coup, j'ai l'impression que ça me bloque un peu moins pour faire mes actions. C'est assez bizarre à dire. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais les autres étaient très lents. Ils jouaient beaucoup derrière. Et du coup, j'essayais de leur faire le pressing à fond. Mais ça marchait pas du tout. En fait, il fallait peut-être plus les attendre. Et là, j'ai l'impression que je peux
comme ils jouent un peu plus vite, bah, ils font plus d'erreurs. Et du coup, ça me laisse peut-être un peu plus d'opportunités. Alors attendez, hein, ça se trouve, ils vont égaliser très rapidement. Ils vont en mettre deux coup sur coup parce qu'ils ont quand même une superbe équipe et qu'on est en légende. Mais là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. Elle partait mal. Hein. Oh, j'ai eu très très peur parce qu'elle partait chaud chaud. Hein, la frappe de George Best. Et ben voilà, 2-0. Passe de Sterling pour Best. Ouais, j'ai choisi de la jouer sécurité. Hein. Sur cette action. Et ben voilà, notre petit George Best qui marque son troisième but, quatrième but. Non, troisième but. Il a pas marqué contre Francfort. Donc c'est son troisième but. Je crosse un peu lent quand même. Hein. Il est long à bouger le garçon. Après, il est peut-être puissant. Il est quand même un peu lent à bouger. Hein. M'excuserai, mais paillette. Non, mal joué. Ah, coup franc pour nous. Peut-être intéressant. Peut-être intéressant. George Best. J'essaye. Oh, po. Elle partait très très bien. Hein. Elle partait très très bien, cette frappe de George Best. Hein. Oh, et le gardien qui clamait sur la barre, quoi. Quel dommage. Ça, c'est quand même mon gros souci. Hein. Mon gros point noir. Hein. D'ailleurs, dans FM, vous regardez aussi ma tactique, ça frappe pas beaucoup loin, hein, en général. Dégagement de Valdez là-dessus, là. Par contre, j'aimerais bien que mes changements aient lieu. Ah, j'ai fait pour dégager, il dégage même pas. Alors par contre, j'ai hâte de savoir contre qui on va tomber sur le quatrième. Hein. Ça va être un Barça, Bayern, un truc comme ça, hein, je pense. Hein. Bah, je vais peut-être avoir le gain max, ouais. Je vais peut-être avoir le gain max, ça serait énorme. Il faut gagner le quatrième match pour ça. Bon, et ben voilà, victoire 2-0 face au Portugal. Alors qu'on a peiné contre Nancy et contre le FSV Francfort, et ben là on s'en sort vraiment très bien. Fair play, ça veut dire quoi ça? Remporter un match sans commettre de faute. Ah d'accord. Et pourquoi 1702? Parce que je dois avoir plus 1000 en bonus IA. Ok. Bien, en plus ça me fait gagner des crédits là. Voilà, 3 victoires. Victoire 3-1, victoire 2-1, victoire 2-0. Alors contre qui on tombe sur le dernier match? Contre qui on tombe sur le dernier match? J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Monaco? Bon, ça va, je viens de taper le Portugal. Enfin, attendez, c'est pas fait, mais... Mais entre le Portugal et Monaco, je trouve qu'au troisième match, j'ai quand même eu... C'était quand même plus dur, quoi. Hein. Je comprends pas, en fait, ce jeu-là. C'est quoi? Ah, je dois récupérer le ballon peut-être dans la zone. Ça doit être un truc comme ça, regardez. Non, je sais pas. Bon. Je sais pas, j'ai pas lu en plus les consignes. Allez, on joue face à Monaco. Écoutez, quand on voit qu'on a pu gagner face au Portugal, moi je me dis que tout est possible. Hein. Je me dis que tout est possible. Allez, belle passe pour Sterling. Ça commence. Ça commence fort avec Raheem Sterling. Ok. Sterling qui provoque. Raheem Sterling. Boum. 1-0 dès la troisième minute. Ça fait plaisir. Ah non, c'est George Best. Ah, c'est George Best qui la dévie, d'accord. Ben voilà, on commence bien. Bon, je l'attribue plutôt à Sterling quand même, parce que c'est Sterling qui fait l'action. Et ben on commence à bien s'en sortir. Malgré le fait que ce soit en légende. C'est normal que les deux plus durs pour le moment, ça a été Nancy et Francfort. Parce que là, j'ai un peu de mal hein, quand même. Hein. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain. Quel abruti. J'ai pas utilisé la bonne touche. Oh oui. Oh oui, je t'ai vu, George. George Best! Quel dribble! Le dribble de George Best, la frappe! What, dommage! J'aurais peut-être pu passer là-bas à... C'est qui attendait le ballon là? C'était Sterling, non? En Bundesliga, j'avais regardé pour les gardiens là, dans le
pour faire mon équipe. Donc Leno c'est le deuxième meilleur. En troisième il y a Sommer. Sommer est à 82 de général. Je crois que c'est le troisième de Bundesliga. Et le quatrième ça doit être Benaglio avec 81, me semble-t-il. Ensuite on a Ziller, Burki qui sont à 80. Mais je crois que c'est les 4 gardiens. Tandis qu'en première ligue on a quand même vraiment des gros gardiens. Hein. Bon il y a Neuer hein, bien sûr. Bundesliga, ça vous n'avez pas oublié. Mais je trouve que attention, bien contré. Ouais, je trouve qu'en première ligue, c'est normal. Hein. Vous avez Courtois, vous avez Lloris qui a 84, Courtois il a 86. Yakido, donc Valdez 81, Derrea 85, je crois. Donc là, ça fait déjà un nombre de très bons gardiens. Il y a Sech qui doit avoir 84 ou 85, je crois aussi. Vraiment, première ligue, très très au-dessus au niveau des gardiens cette année, hein. Encore une fois, encore plus que d'habitude. Hein. Bien joué. Georges Best. Oh, coup franc. Oh, le coup franc. Oh, le coup franc. Vous sentez le 2-0 un peu ou pas là? Par contre, Abdenou est encore à Monaco. Ça va pas. Hein. C'est Payet pour le coup franc? Payet. 80. Tiré Dimitri. Pop. Passe pas loin le coup franc de Dimitri Payet. J'aurais peut-être dû faire tirer Silva. C'était peut-être plus pour un gaucher ce coup franc. Par contre, pourquoi ils ont Abdenour encore là à Monaco? Ils ont peut-être pas fait tous les transferts encore. Hein. Faudrait peut-être aller vérifier. Mais ils ont peut-être pas fait tous les transferts encore. Donc, du coup, commencer la carrière maintenant, c'est peut-être pas le bon plan. Hein. Tous les transferts de dernière minute ont peut-être pas encore été faits. Ce que je suis en train de me dire là quand je vois Abdenour à Monaco là. Oh non. Oh blagouze. C'est Martial qui marque? Ah ouais. Ah ouais, bah Monaco ils sont pas à jour hein. Peut-être qu'ils sont pas à jour juste dans ce mode là. Mais d'accord. Donc je me prends un but par Martial et ils ont encore Abdenour. Ah ouais, donc les transferts du dernier jour n'ont pas été faits quoi. Bon, très bien. C'est pas juste, parce que Martial il doit pas être là. Voilà, c'est tout ce que je note. Hein. Il faudrait qu'on regarde dans le marché des transferts si Abdenour est bien à Valence. Ça juste à la fin. Oui, je t'ai vu. Oh, elle est belle. Oh, oh, cette action. Oh, cette action. Vous m'en direz des nouvelles, s'il vous plaît. Vous m'en direz des nouvelles de cette action. But de Fernandinho. Elle est splendide. Quelle action. Boum, allez, ça enchaîne. Tac, Silva, Kirmela. Hop, tout de suite pour Fernandinho. Frappe instantanée. Barre entrante. Ça fait but. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Hein. Là, on peut dire que c'est le plus beau but depuis le début parce que d'une part, il est mérité au vu de l'action. Oh là 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 là. Pas mal cette équipe quand même. Elle dépote un peu. Hein. Il y a quand même 2-3 bons joueurs. Hein. On a bien joué ça. Bien joué pour Pedro. Je t'ai vu, George. George Best. Oh, l'arrêt du gardien. Quel bel arrêt. J'avais visé le premier poteau là. Avec Georges Best pour voir sa frappe. Bon, déjà elle est cadrée hein. La frappe, je peux te dire qu'elle part. Elle part plutôt pas mal. Hein. Corner. Dommage. Sterling. Fernandinho. Ah, j'ai fait un petit geste technique sans faire exprès. Allez, dessus. Non. George Best, 90e. Il reste 2 minutes. Il faut tenir. Je me mets en ultra def. Je pense qu'on va tenir. Allez, pas d'erreur. Hein. Attention quand même. Ouais, bien dégagé ça. Il faut prendre le ballon. Il faut prendre le ballon, les gars. Ouais, ça va. Ça dégage bien. Et ben voilà, on gagne les 4 matchs. On gagne cette fuite draft. Première fuite draft ensemble. Et ben on la gagne. On va au bout de cette fuite draft. Et ben ça, franchement, c'est assez inattendu.
Mais remporter les 4 matchs d'une session fut draft joueur solo dans FIFA Ultimate Team. Voilà. Ça me débloque un... Ça me débloque un petit succès. Et donc, ce qui nous intéresse, ça va être notre prix. Voilà, 4 victoires. Donc, je récupère mon prix. 4 victoires. Qu'est-ce que... Ah, rare. C'est tout? Je touche juste ça? C'est une blague? J'espère que je vais toucher au moins du lourd. Alexandro. Ouais, c'est pas... Alors là, clairement, ça vaut pas, quoi. Alors bon, heureusement, j'ai un autre pack. Et quand j'avais eu 2 packs or, et puis... j'ai 2 stades. Le stade de Tottenham et le stade de Leicester. Tiens, je vais mettre le stade de Leicester. Voilà, comme ça, ça me le change, vous voyez, là. Tout de suite, ça me le change en arrière-fond, vous voyez, le stade de Leicester. Ça, c'est plutôt sympa. Mais par contre, je suis un petit peu déçu au niveau de... Alors, Sydney Sam, il vaut combien, Sydney Sam? Ouais, c'est pas terrible, il vaut rien du tout. Hein. Il vaut rien du tout, lui, je peux le garder. Je peux le garder, bon, ça, je garde. Les contrats aussi. White Hart Lane, je vais aller le... White Hart Lane, je vais aller le mettre en vente, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, ouais, celui-là, combien il vaut là? Mais là, je suis un peu déçu au niveau du prix qu'on a. Hein. Très sincèrement. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espérais vraiment mieux, quoi. Hein. Surtout de ce que j'avais vu quand j'ai perdu le premier match l'autre fois, j'ai gagné 2 packs or et 1 pack argent. C'est de l'arnaque. Bon, par contre, Alexandro, il vaut cher. Il vaut cher. Je vais mettre 10 000 en prix max. Bon, voilà, j'ai tapé au moins un joueur qui va me rembourser. Mais c'est tout, quoi. Ah, lui, Mauricio... Ah, il part bien, quand même, Mauricio. Bon, j'allais dire, il vaut rien, mais si, si, en fait, il est pas mal. 8 000. Et vu que je vais mettre 1000 en départ, en 2000 en départ, parce que j'ai vu que 1005. Bon, je vais peut-être finir par rembourser ce pack. Plus un tout petit pack or que j'ai eu en plus. Ah, que des contrats. Super. Je suis un peu déçu du prix que je touche, vous avouerai. Là, là y a, pour moi, il y a un peu erreur sur la marchandise. Hein. Bon, et bah écoutez, après avoir tout gagné... ah d'accord. Alexandro, j'ai mis que 10 000, j'aurais peut-être pas dû là. Merde. Ah, j'aurais dû mettre beaucoup plus cher. Pour Alexandro, je me suis fait avoir là. Ah, en plus, je suis nul au niveau des transferts. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, de toute façon, c'était pour tester ensemble. Allez, on va s'ouvrir juste un autre petit pack. Histoire de terminer cette petite vidéo ensemble. Un petit pack or. Voir ce qu'on va toucher. Qu'est-ce qu'on touche? Un gardien. Eh ben, c'est Costil. Pas mal. Si je veux faire une petite Ligue 1, je vais le garder. Le reste, on peut vendre. Tout le reste, je vends. Voilà. Et tout le reste, je garde. Voilà. Bon, bah écoutez, ça signe donc la fin de cette vidéo sur ce mode Fut Draft. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, sur la récompense. Je reste quand même clairement sur ma faim. Je vous ai dit, hein, j'avais perdu l'autre fois au premier coup et j'avais eu 2 packs or et 1 pack argent. Bon, là, j'ai eu un pack or rare, ce qui est quand même pas mal, certes. J'en conviens, hein, j'ai touché 2 joueurs. Alexandro, je pense que j'aurais pu le vendre plus. Bon, on peut se dire ça. Néanmoins, voilà, un peu déçu sur la récompense. Je m'attendais à plus quand même. Donc le live continue puisqu'on va passer enfin sur le mode carrière. On va commencer ensemble ce mode carrière. Qu'est-ce que je voulais dire?
Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je sais plus. Bah c'est pas grave. Bon bref, je vais vous dire donc ensuite le nom du club qui sera choisi par rapport au vote. En tout cas pour cette vidéo, on s'arrête là. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis on se retrouve très très vite donc pour la vidéo mode carrière que vous aurez également sur YouTube. Allez à tous, je vous souhaite une bonne soirée, bon jeu et à très bientôt. Bye bye.